D'abord, merci à vous d'être venu pour assister à cette table ronde. Et rassurez-vous, la parole vous sera donnée pour des échanges à la fin des exposés divers et des questionnements que nous allons avoir. Cette table ronde nous est patronnée par l'association Antiquité Avenir, dont le président et figure parmi les intervenants, là à ma droite, Jacques Bouineau, et il vous présentera de deux mots cette association. Permettez-moi d'abord de vous présenter les trois invités qui vont débattre sur ce sujet. À ma droite, Cécile Michel, qui est directrice de recherche au CNRS, qui est spécialiste de la Mésopotamie antique. Elle est assyriologue, et je vous assure que ce n'est pas une maladie du tout. Et elle est extrêmement compétente dans ce domaine de ce qu'on appelle parfois aussi l'histoire de l'Orient ancien, pour le distinguer de l'Orient gréco-romain. Puisque je suis parti sur ma droite, je continue. Jacques Bouineau, qui est professeur d'histoire du droit, à l'Université de La Rochelle, qui a beaucoup travaillé en Égypte, qui a vécu en Égypte, et qui est en même temps donc le président de l'association Antiquité Avenir. À ma gauche, Vincent Michel, c'est le hasard. Ils s'appellent tous les deux Michel, mais ne me demandez pas si l'un est la sœur de l'autre ou non. Je crois qu'il n'y a pas de rapport entre eux. Vincent Michel est professeur d'archéologie à l'université de Poitiers et il est spécialiste en particulier des périodes de l'Antiquité tardive et du paléochrétien, je crois qu'on peut dire ça comme ça, et il est aussi le directeur de la mission archéologique française en Libye, mission qui évidemment, comme vous devinez, est pour l'instant non pas au repos parce qu'il y a toujours des dossiers à étudier et à publier tout ce qui a été trouvé jusqu'à maintenant, mais en tout cas qui n'a pas beaucoup de possibilités évidemment de se rendre sur le terrain. Tout ça pour dire qu'on a là trois spécialistes de trois pays du Proche-Orient, l'Égypte, l'Irak, la Libye, moi-même j'ai quelques lueurs sur la Syrie, comme vous le savez peut-être, et donc c'est de ces pays que nous allons parler et de partager donc nos expériences, de les confronter et de voir comment les aider à se réconcilier, quand besoin est, avec leur histoire et à progresser dans la connaissance de l'histoire de ces pays. Mais avant, je rends la parole pour quelques minutes à Jacques Bouineau pour qu'il vous présente cette association Antiquité Avenir qui regroupe beaucoup d'associations autres. C'est là un chapeau général, mais je vous laisse faire. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Antiquité Avenir, c'est un réseau d'associations qui est né à la Sorbonne officiellement le 30 janvier dernier à la suite des états généraux de l'Antiquité qui avaient été organisés l'année dernière par la SOFO, la Société des professeurs d'histoire ancienne des universités, et la PLAES, l'Association des professeurs de langue ancienne dans l'enseignement supérieur. Donc une initiative de littéraires. Pour l'instant, je suis le seul juriste dans cette épopée. Et l'objectif, c'est d'essayer de créer donc ce réseau, c'est-à-dire une force de réflexion et de proposition dans la société française pour montrer que l'Antiquité, ce ne sont pas que des rêvasseries de spécialistes rancis et blanchis sous le harnais, mais c'est une réalité structurante de notre société. Nous sommes tous les enfants d'Aristote, et quand je dis Aristote, évidemment, c'est de tout l'héritage d'Aristote qui le précède, et cet héritage-là est partagé par les deux rives de la Méditerranée, et nous insistons tous beaucoup là-dessus, puisque c'est ce à quoi nous sommes régulièrement confrontés dans nos actions sur la rive sud, et donc voilà, c'est un petit peu autour de ça qu'on va discuter. Je ne vais pas vous en dire plus, j'ai laissé quelques documents. Alors c'est une association qui est toute jeune, nous avons beaucoup travaillé depuis le début de l'année, mais pour l'instant nous sommes évidemment uniquement bénévoles. Nous nous intéressons à
une action politique, faire une action politique au sens grec du terme, hein, c'est-à-dire véritablement agir au niveau de la cité. Nous avons pris à bras le corps certains dossiers brûlants, et notamment la question des langues anciennes dans le secondaire, bien sûr. C'est un aspect de cette lutte, de cet engagement. Je vous laisse ces quelques documents. Nous n'avons pas encore eu le temps de faire des flyers. Nous avons un site qui est en voie de construction. Vous tapez Antiquité à venir sur le net et ça vous renverra à notre site. Vous verrez, nous sommes en train de naître. Voilà, je ne veux pas monopoliser la parole davantage. Merci beaucoup pour cette présentation qui est à la fois claire et rapide. Et venons-en, si vous voulez bien, donc au thème de cette conférence. Cette conférence est partie d'un constat que j'ai fait personnellement, d'une expérience que j'ai vécue, qui est ma longue expérience en Syrie, puisque c'est un pays que je fréquente depuis, je ne vais pas donner de chiffres parce que ça me ferait beaucoup de mal, mais enfin depuis longtemps, on va dire ça comme ça, et d'une expérience de terrain qui m'a montré que, notamment les jeunes Syriens aujourd'hui, étaient en rupture complète avec leur propre histoire. Moi, je m'intéresse beaucoup à la période gréco-romaine, comme vous savez, et j'ai travaillé beaucoup sur les inscriptions grecques et latines du sud de la Syrie, et allant de village en village, j'ai donc rencontré beaucoup de gens, et beaucoup de jeunes qui, s'inquiétant de savoir ce que je trouvais, me demandaient parfois de quoi il s'agissait. Et souvent, la réponse qu'ils me faisaient quand je leur disais, ben voilà, c'est une inscription grecque, elle dit ceci, cela, tout d'un coup, je sentais leur désintérêt apparaître et leur réponse fusait toujours de la même manière, ah, c'est du grec, c'est pas notre histoire. Comme si, et ils me l'ont dit parfois, nettement, comme si leur histoire commençait avec les combattants de Mahomet et qu'ils en soient tous les descendants. Ça peut faire sourire, mais le but n'est pas de sourire, mais de s'interroger pourquoi cette rupture dans l'histoire. Et d'une manière plus générale, prenant conscience de cela, je me suis aperçu que l'enseignement de l'histoire en Syrie, sous le régime dictatorial, ne l'oublions jamais, de Bachar el-Assad et d'abord de son père, avait en quelque sorte pris en otage l'histoire du pays pour en faire tout autre chose que de l'histoire, pour en faire de la propagande ou des arguments idéologiques. Il m'a paru intéressant de comparer cette expérience avec celle d'autres pays qui ont subi les mêmes ruptures culturelles. Je dis rupture, mais un historien ne croit pas aux ruptures. Je l'emploie par image et puis par habitude et pour faire court, mais je veux dire qu'ils ont connu quand même des mutations culturelles très importantes. Le Proche-Orient où le grec a été une langue, non pas dominante, mais une langue de circulation pendant 1000 ans, l'a vu un jour disparaître et remplacé quand même par l'arabe. C'est quand même une sacrée mutation. Donc, il m'a paru intéressant de comparer l'expérience de mes collègues en Irak, en Libye, en Égypte. Est-ce que la situation est la même? Est-ce qu'il y a le même rejet à l'égard de l'histoire la plus ancienne? De celle, le problème se pose évidemment pour l'histoire qui est avant l'islam. Non pas que l'histoire de l'islam soit parfois mieux connue, mais ici nous ne sommes pas des spécialistes de l'histoire de l'islam, donc ce n'est pas celle-ci dont nous parlerons. Mais moi ça m'intéressait de savoir si les Égyptiens avaient le même rejet de leur passé pharaonique, par exemple, ou en Irak, de l'époque assyrienne ou babylonienne, voire sumérienne ou autre. Et en Libye, est-ce que la présence des Romains est ressentie comme elle l'est en Syrie, comme dirait le général Mustafa Atlas, la pire période de notre histoire, la plus sombre histoire de notre période, puisque c'est celle d'une domination coloniale. Donc, c'est de là que je voudrais qu'on parte, et puis on s'interrogera ensuite, pour vous dire à peu près où on va, parce qu'il ne s'agit pas simplement de faire des constats, de voir ce que nous pouvons faire dans tous ces pays qui traversent, même si c'est plus calme en Égypte aujourd'hui, même si on voit des lueurs d'espoir en Irak ou en Libye, de voir ce que nous, historiens, nous, archéologues, nous pouvons faire pour aider en quelque sorte ces gens qui sont nos partenaires scientifiques, avec qui nous partageons beaucoup,
parce que ce qui est leur histoire, c'est aussi notre histoire. Après tout, l'histoire des périodes gréco-romaines, c'est aussi notre histoire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider à se réapproprier, en quelque sorte, leur histoire? Voilà, si vous voulez, la thématique générale. Et je vais me taire rapidement, rassurez-vous, après avoir fait ce petit préambule, pour donner la parole à mes voisins et qu'ils nous exposent quelle est la situation par rapport à ce que je viens de très brièvement décrire en Syrie, dans un pays comme l'Irak, la Libye ou l'Égypte. On peut commencer, peut-être pour des raisons chronologiques, par l'Irak, parce que c'est les hautes périodes. Et il ne s'agit pas là d'une période d'occupation coloniale gréco-romaine, bien, même si, bien entendu, la Mésopotamie a été aussi colonisée, parfois par les Romains, mais aussi par les Perses. Merci, bonjour à tous. Donc effectivement, moi je travaille sur l'Irak et je pense que l'Irak présente un cas un peu différent de celui de la Syrie. Il faut revenir un petit peu en arrière, quand Saddam, ça revient même encore avant. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Irak était très porté sur son passé et sur la reconstitution de son passé. Et il a été très, très ouvert aux missions archéologiques étrangères. Il y a eu les instituts étrangers à Bagdad qui se sont montés. Il y a eu très tôt un musée national qui a été mis en place, etc. Et quand Saddam Hussein s'est emparé du pouvoir dans les années, fin des années 70, en fait, il a voulu forger encore plus fortement une identité nationale et donc a voulu absolument mettre en avant ce patrimoine, patrimoine qui, pour les Irakiens, était le berceau de l'humanité même occidentale. C'est-à-dire, c'est en Irak que tout a commencé. Qu'a commencé l'écriture, que commençait la domestication, que commençait l'agriculture, les premières inventions artisanales, etc. Et donc, conscient, même sur trop conscient, on va dire, poussant un peu loin l'affaire, a voulu montrer que l'Irak était le centre du monde. Et donc, il a eu une politique extrêmement volontariste dans cette direction-là, mais une politique ambiguë en même temps. Donc, par exemple, il a fait reconstituer la ville de Babylone et s'est pris pour le descendant direct de Nabucodonosor II et donc a inséré dans sa reconstitution des murailles de Babylone des briques estampillées à son nom, de même qu'il y avait déjà des briques estampillées au nom de Nabucodonosor. Donc, c'était vraiment une réappropriation complète de l'histoire. Mais en même temps, il n'avait pas une politique globalement cohérente, puisqu'en même temps, il s'est fait construire des palais, des lacs artificiels sur des sites archéologiques, les détruisant à jamais. Il a eu une politique aussi de construction de barrages sur le Tigre, sur la Diyala, qui a noyé des tas de sites archéologiques. Donc, il y avait un peu cette ambiguïté-là. Mais quand même, ça a bien pris dans la société irakienne, puisque les Irakiens sont conscients qu'ils ont un passé extrêmement glorieux et important. Et il y en a même eu un écho très, très curieux la semaine dernière. On a entendu une déclaration du ministre des Transports irakien qui a déclaré que le premier aéroport avait été construit par les Sumériens il y a 5000 ans avant Jésus-Christ, en Irak, et que les Irakiens avaient déjà des navettes spatiales et qu'ils avaient découvert Pluton. Donc vous voyez jusqu'où ça peut aller, les croyances et la fierté d'avoir inventé tout dans l'histoire. Vous avez quand même bien fait de venir, parce que là, c'est un scoop. Moi, alors là, je n'ose pas dire que je tombe des nues. Ce sont des journalistes anglais qui ont entendu cette chose-là. Et alors, il y avait quelques savants scientifiques irakiens qui ont assisté, qui étaient très, très gênés, qui ne savaient absolument plus où se mettre. Oui, on imagine. Ce qui est intéressant, tout ce que vous avez dit est intéressant, mais il y a une chose que je relève et qui me touche beaucoup, c'est cette attitude ambiguë. Première petite remarque que vous venez de faire et qu'il faut garder tous en mémoire, c'est que l'histoire, pour les politiques, ça sert surtout à être manipulé, hein, et à des fins idéologiques. On peut avoir un grand mépris en réalité pour la vraie sauvegarde du patrimoine, mais le manipuler quand ça arrange. De ce point de vue-là, il y a un bon parallèle avec la Syrie, qui est l'histoire de Palmyre, qui est la vitrine, qui était la vitrine du régime, ce qui n'a jamais empêché le régime de piller les antiquités et d'installer
par exemple, un camp militaire au début de la guerre sur la nécropole nord de Palmyre. Est-ce que en Égypte, pour rester dans les... Mais si, peut-être vous aviez d'autres choses à dire, non? Allez-y. Non, mais je reviendrai parce qu'en fait, oui. L'arrivée du pillage, etc., c'est fait après. D'accord. Bon, alors on y reviendra. Est-ce que en Égypte, où là aussi il y a un passé qui n'est pas gréco-romain, il y a aussi un passé gréco-romain, mais qui se voit moins, j'allais dire, d'autant plus que le passé gréco-romain prend souvent les formes hérité de l'époque pharaonique. Les Romains qui construisent des temples en Égypte, c'est les mêmes que ceux qui ont été construits au deuxième millénaire. Est-ce que là où, donc, en Égypte, où il y a ce passé non colonial, si j'ose dire, le rapport au passé est particulier? Quelle est l'utilisation qui en est faite? Alors en Égypte, effectivement, c'est tout à fait particulier. D'abord, moi, je ne suis pas archéologue, je suis professeur d'histoire du droit, et en Égypte, j'étais directeur de la filière française de l'université de Giza. Donc, mon champ d'investigation, ce sont les mots, beaucoup plus que le terrain. En Égypte, vous avez on va commencer par une image, si vous voulez. Si vous allez au Caire, vous sortez du Caire vers le sud, rive droite du Caire, et vous passerez à un moment devant une sorte de chou à la crème néo-pharaonique qui est la cour constitutionnelle. Et la cour constitutionnelle, qui a été bâtie il n'y a pas très longtemps, il y a une vingtaine d'années au grand maximum, c'est une sorte de nouveau palais pharaonique. Et donc j'avais demandé, quand j'étais en poste là-bas, au président de la cour constitutionnelle la raison de ce choix. Pourquoi est-ce qu'on a utilisé ça? Et ça répond directement à votre question. Il me disait, vous voyez... Nous avons en Égypte, alors il faut savoir qu'en Égypte, tous les chiffres sont faux. Donc tous les chiffres que je vais vous donner sont faux. Ça peut être à la rigueur un ordre d'estimation. Nous avons environ 15% de coptes, un certain nombre de catholiques, quelques protestants, quelques juifs, et beaucoup de musulmans. Le défi pour nous, c'est de faire vivre ensemble ces communautés. Comment s'y prend-on pour faire vivre ensemble ces communautés, surtout quand on a, alors moi j'y étais à l'époque de M. Moubarak, quand on a l'article 2 de la Constitution qui stipule que toutes les lois doivent être prises en accord avec la charia, ce qui, pour un non-musulman, n'a strictement aucun sens. Donc comment fait-on? Et de cela, vous avez des jugements qui s'en suivent, évidemment, parce que la Cour constitutionnelle en Égypte, comme son nom l'indique, et si beaucoup parmi vous ne sont pas juristes, la Cour constitutionnelle intervient a posteriori. C'est-à-dire qu'on attend qu'il y ait un procès qui va être jugé par la Cour. Alors que chez nous, le Conseil constitutionnel se prononce en amont. C'est-à-dire avant qu'il n'y ait le procès. Donc, et effectivement, si on veut éviter les procès liés à cet article 2 de la Constitution, il faut trouver un moyen pour rassembler les Égyptiens. Tous les Égyptiens savent qu'ils descendent des pharaons. Parce que si vous voulez faire insulte à un Égyptien, vous lui dites qu'il est arabe. Les Égyptiens ne sont pas arabes. Ils sont égyptiens. Quand ils parlent des Arabes, c'est avec le plus grand mépris. Et c'est pour désigner les gens du Golfe. Et moi, quand je cherchais un appartement au Caire, on me demandait toujours une copie de mon passeport, et j'en demandais la raison. C'était pour vérifier que le propriétaire puisse vérifier que je n'étais pas arabe. Parce que si j'avais été arabe, il aurait refusé de me louer un appartement au Caire. Donc, ils ne sont pas arabes, ils sont égyptiens. Et alors, dans leur construction mentale, ils sont les descendants de tout cela. Et donc, je reviens à mon bâtiment, le président de la Cour constitutionnelle m'a dit... C'est un moyen de montrer aux Égyptiens que, au-delà de l'islam, avant l'islam, nous avons quelque chose dans quoi nous pouvons tous nous reconnaître. Donc, cette histoire égyptienne, pharaonique, ancienne, est pour eux un phénomène identifiant. Et c'est une des raisons, je reviendrai peut-être plus tard sur une autre, parce que c'est un entassement, les colonisations en Égypte, c'est très complexe. Mais là, je vais vous expliquer un deuxième point, et puis je vais céder la parole à mes collègues. C'est que les Égyptiens ont avec la France, vous le savez, un lien extrêmement privilégié. Les Français sont adorés
en Égypte. Et avec la tête que j'ai, à chaque fois que je me promenais dans les rues du Caire, on me prenait pour un Américain ou pour un Anglais, ce qui n'est pas du tout flatteur en Égypte. Mais quand je leur disais « Non, non, moi je suis français. » Ah, français, alors là on me prenait sur le coup. C'était merveilleux, c'était l'époque de Monsieur Chirac et de Zinedine Zidane, et on me disait « Chirac, Zinedine Zidane », et on partait la main sur le cou pendant 50 mètres dans les rues du Caire. Pourquoi ? Parce que les Français ont rendu aux Égyptiens leur dignité. Ils n'ont jamais oublié, même pour les gens qui ne sont pas d'une culture démesurée, que c'est Champollion qui a déchiffré les hiéroglyphes. Ils n'ont jamais oublié que quand Bonaparte est venu en Égypte, d'abord, il les a... Alors, en France, on se dit, ben oui, mais il leur a fait la guerre. La bataille des pyramides, c'est quand même pas une rigolade. Oui, il a fait la guerre, mais il les a délivrés d'autres choses. Et qu'est-ce qu'il a fait, Bonaparte ? Il est venu avec une armée de savants. Il a fait le premier relevé topographique et iconographique de l'Égypte. C'est-à-dire qu'il a rendu aux Égyptiens leur fierté d'être Égyptiens, leur dignité. Et donc, chez eux, le lien avec l'Antiquité, le lien avec le passé pharaonique, passe aussi par la France. Et c'est pour ça qu'il y a ce rapport très, très affectif. La première chose qu'on vous dira avec l'accent égyptien, et je ne me moque pas d'eux parce que je parle beaucoup plus mal arabe qu'ils ne parlent français, mais quand ils vous voient et quand ils savent que vous êtes français, ils vous disent « Ah, Napoléon, Napoléon, c'est Napoléon, tu es Napoléon ». Et c'est un très, très grand compliment. Merci pour ce témoignage qui est tout à fait intéressant. Et donc là, on vient de voir deux exemples, effectivement, d'un passé... j'allais dire indigène, local en tout cas, qui ne doit rien à un apport. Si on se tourne vers la Libye, évidemment, le contexte change. Parce que là, bien sûr, il y a aussi une histoire, bien entendu, avant l'occupation grecque et puis romaine. Mais les vestiges en sont plus légers, l'histoire reste à écrire en grande partie, alors que les traces, et disons que ce qui est de plus spectaculaire, le plus visible, et ce qui attirait les touristes en Libye, c'était quand même, pour l'essentiel, un passé gréco-romain, qu'il s'agisse de Cyrène, qu'il s'agisse bien sûr de Sabrata ou de Lepsis Magna. Alors quel est leur rapport à ce passé et quelle attitude ? Bonsoir à tous. Le rapport qu'ils ont avec leur histoire, c'est le même que nous par rapport à la Libye, parce que comme disait mon ancien chef de mission, la Libye, c'est un pays célèbre mais méconnu. Célèbre parce que voilà, parce que les frasques du Kadhafi, célèbre parce que un taxi pour Tobrouk, célèbre pour les financements de campagne occidentale, enfin célèbre pour beaucoup de choses, voyez. Bon, mais lorsqu'on parle finalement de patrimoine, alors là, bon, alors il y a que les valeureux historiens férus d'Hérodote qui commencent finalement à ouvrir quand même un peu les yeux, mais c'est pas grand chose. Et alors, l'archéologue que je suis, c'est vrai qu'aime beaucoup les superlatifs, mais pour l'instant, ce que je voudrais vous dire maintenant, n'a rien de superlatif d'archéologue. La Libye, c'est aussi, comme vous avez dit, Maurice Sartre, c'est Leptis Magna, et Leptis Magna, c'était la Rome de l'Afrique. Et c'est pas justement un superlatif d'archéologue, la plus ancienne, la plus grande, la plus majestueuse. Non, c'est un superlatif, entre guillemets, de géographe, d'historien romain. Lorsqu'on va de l'autre côté, dans la partie orientale, lorsqu'on va à Cyrène, c'est la plus grande colonie grecque. Donc c'est pas l'une, c'est la plus grande, avec un temple de Zeus qui est aussi grand, voire un peu plus grand, que le Parthénon d'Athènes. Donc on a en fait une espèce de patrimoine qui est vertigineux, qui se concentre effectivement sur des périodes assez courtes, donc période grecque, période romaine, et ce côté célèbre et méconnu, eh bien en fait, on le retrouve pas simplement de la part des Occidentaux, mais également de la part des locaux, où là, et c'est un petit peu le point commun qui nous anime aujourd'hui, c'est cette séparation, cette distance qu'il peut y avoir entre un passé qui est excessivement riche et puis une connaissance. Et c'est vrai que Kadhafi avait vraiment fermé les portes du savoir, comme j'aime à dire, parce que, au mieux, les histoires commençaient avec Mahomet, au pire, commençaient le 1er septembre 1969. C'est à partir du moment où il était arrivé. Voyez. Et
tout le travail actuel, mais ça on en reparlera, eh bien, c'est de faire en sorte qu'il y ait une réappropriation de cette histoire. Et alors, je parle aussi de Sirène et les petits smaragdins parce que je me sens un peu obligé, depuis que j'ai repris la mission, de présenter la Libye. C'est vrai que Jacques Bonneau n'a pas dit, vous savez, l'Égypte, c'est ce pays où il y a des pyramides. Alors, tout le monde le sait. Voyez. Alors que moi, consciemment, et pardonnez-moi si vous saviez tout ce que je vous ai dit en préambule, je me sens obligé, non pas de vous situer la Libye, parce que bon, ça, mais au moins de vous rappeler que, ben voilà, la Libye, c'est quand même, c'est 90% de désert, mais où, bien évidemment, il y a un passé qui est prodigieux. Mais avant les Grecs, c'est-à-dire avant les Grecs, il y a les Pharaons. Avant les Grecs, il y a les Acadiens, les Sumériens. Nous, avant les Grecs, donc avant le 7e siècle avant notre ère, de cette population libyque, on n'en sait rien. C'est-à-dire qu'on n'a aucune connaissance de la culture matérielle. Si ce n'est à travers Hérodote, si ce n'est à travers... parce que c'était quand même un contre-pouvoir important, puisque Ramsès II craignait un petit peu ces fameux lébous, qui a donné le nom à la Libye, avait fortifié une sorte de limès, vous voyez. Donc voilà, on sait que c'était une population très importante, comme pas trop attardée, mais concrètement, on n'en sait rien. Et c'est ce qui manque aussi aux Libyens pour se réapproprier, c'est que il y avait les Grecs, d'accord, il y avait les Romains, d'accord, il y avait les Byzantins, d'accord, mais... Et nous, hein, et nous, Libyques, hein, Libyens, qui sommes-nous, en fait? Mais alors, on voit bien la différence qu'il y a avec les deux pays qu'on a examinés avant, mais justement, quel est leur sentiment à l'égard? Comment voient-ils cette période grecque puis romaine? Qui est d'ailleurs, là-dessus, je vous contredis un petit peu, parce que quand vous dites ça a été pas très long, ça fait 1000 ans. Hein. 1000 ans, bon, je sais bien, à l'échelle de l'Antiquité, c'est court, mais quand même. C'est à peu près... La Syrie est dans le même cas que la Libye. L'hellénisme, il dure 1000 ans, quand même. Mais bon, peu importe, c'est un détail. Mais quel est leur sentiment à l'égard de cette histoire? Est-ce qu'ils ont l'impression que c'est une période où le peuple libyen est opprimé par un occupant, des colons, ou est-ce qu'ils pensent que c'est des populations tout à fait autres et qu'eux, ils ne savent pas trop où se chercher dans le désert, dans ces peuples décrits par Hérodote? Parce qu'on a quand même des descriptions d'égarements, des masses et tout ce qu'on voudra. Bien sûr, oui, c'est parce qu'il y a effectivement ce contraste entre une connaissance livresque, si je puis dire, des sources textuelles de ce passé, qui est comme aussi un passé, comme vous le dites, enfin, pas héroïque, mais un passé riche, un passé quand même bien documenté, et puis des vestiges qu'on ne peut pas mettre en synopse, en fait. Alors du coup, c'est vrai que c'est l'une des raisons pour lesquelles on parle plus des destructions en Syrie et en Irak que des destructions en Libye, parce qu'en fait, il n'y en a pas, enfin, on reviendra dessus, et en tout cas, ce n'est pas les destructions auxquelles on pense, c'est que ce patrimoine, alors c'est le beau théâtre de Sabrata, ou le beau théâtre de Leptis, ou bien les beaux temples de Cyrène, ne sont que des cadres de villégiature, de promenades amoureuses, ou de pique-niques du vendredi. C'est pour ça que justement que avant le début de la Révolution, l'UNESCO avait dit, mais si vous ne nettoyez pas les sites de tous ces barbecues, de tous ces numéros de téléphone qui sont de tous ces graffitis, on vous supprime, on vous met dans la liste du patrimoine en péril. Donc en fait, c'est une espèce de cadre, vous voyez, un peu comme dans les films égyptiens, ça, voilà, c'est une espèce de cadre sympathico-sympathique, vous voyez, mais il n'y a aucune appropriation, ils n'ont pas cette conscience de se dire que ce sont mes ancêtres. Et ça, alors moi j'ai une autre casquette, puisque je fouille aussi, je m'intéresse à la Palestine depuis une vingtaine d'années. Là aussi, c'est vrai qu'avec les ouvriers, lorsque je dis, mais attendez, mais aujourd'hui t'es musulman, mais hier t'étais juif, hier t'étais chrétien, avant-hier t'étais juif, et c'est ta famille tout ça. C'est pas à chaque fois un apport de population qui remplace une autre, comme si on était interchangeable et surtout remplacé au fur et à mesure. Et c'est vrai que c'est ce qui manque aussi donc aux Libyens, c'est le fait que voilà, mes ancêtres c'était des Romains, mes ancêtres c'était aussi des Grecs, enfin, du moins descendants d'eux. Hein, et c'est vrai que c'est cette conscience, je pense que c'est aussi un autre point commun que nous avons avec ceux qui travaillent en Syrie, en Irak ou bien en Égypte. Oui, c'est sûr qu'avec la Syrie, là, les parallèles sont très clairs. Moi, j'ai toujours eu l'impression, en discutant avec des jeunes Syriens, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, que l'histoire était une succession de grands coups de balai. C'est-à-dire quand ils me disent, bon, chez nous, il y a eu les Perses, puis après, il y a eu les Grecs, puis après, il y a eu les Romains. Mais on a l'impression qu'ils ne le conçoivent pas comme une domination politique qui se
avec des populations qui restent évidemment les mêmes, même s'il y a trois colons romains qui viennent s'installer et quelques administrateurs. Mais on a l'impression qu'on vide le pays à chaque fois et que chaque fois, ce sont de nouveaux habitants qui viennent s'installer. Et donc, ça justifie leur attitude de dire « mais c'est pas notre histoire puisque nous on est musulmans, donc on descend tous des combattants de Mahomet ». La plus grande surprise qu'on puisse causer à un Syrien, c'est de dire, vous savez quand même que la Syrie est restée à grande majorité chrétienne jusqu'au XIe siècle, c'est-à-dire 4 siècles après la conquête. Et c'est vrai d'ailleurs de bien d'autres pays, je pense qu'on pourrait dire probablement la même chose de l'Irak et de l'Égypte. Donc, vous voyez quand même, ce premier petit tour qu'on vient de faire nous montre quand même quelque chose, me semble-t-il, c'est la diversité des situations. Entre l'Égypte et l'Irak, il peut y avoir des points de correspondance. Je note quand même que ce qui fait le rapprochement, c'est que c'est le raccordement à un passé qui n'est pas venu de l'extérieur, qui est un passé, j'allais dire, indigène. Faisons simple, on peut dire indigène, qui est local. Ce qui fait le point commun, en revanche, entre la Syrie et la Libye, c'est que ce qui est le plus voyant, parce qu'en Syrie, il y a aussi ce passé indigène, le passé araméen, j'aurais pu en parler, mais je ne vais pas trop parler non plus. Mais ce qui est le plus voyant, ce qui est le plus spectaculaire, disons ce qui est le plus touristique, ce qui attire les étrangers, c'est quand même essentiellement des sites, en dehors de ce qui est islamique, bien entendu, c'est essentiellement des sites gréco-romains et proto-byzantin, donc ce qui est la même chose parce que Rome, ça va jusqu'à la conquête islamique, bien entendu. Et vis-à-vis de cela, il y a quand même une difficulté. Une question complémentaire que je pose à Vincent Michel, c'est que dans ce passé, il y a aussi tout un passé qui est un passé chrétien. Et là, vous êtes bien placé pour le savoir puisque c'est votre spécialité. Il y a des églises. Quelle est l'attitude qu'elle était, et peut-être qu'elle est aujourd'hui encore, l'attitude des gouvernements libyens à l'égard de ce passé qui non seulement paraît étranger puisqu'il est gréco-romain, mais en plus il est chrétien. C'est-à-dire pour eux, c'est la même chose. Enfin, entre un temple grec, oui. Des arènes romaines et puis une église, c'est un tas de pierres. Enfin, je veux pas. Enfin, c'est pas du tout des condescendants. Enfin, j'aime beaucoup, mais c'est pas le problème. Mais voilà, il n'y a pas cette appropriation et cette connaissance. En fait, voilà, ça fait partie du paysage. En fait. Oui, c'est un cadre. C'est important. Et c'est important parce que je pense qu'on reviendra sur les destructions, parce que le fait que ça fasse partie du paysage, en temps de conflit, ça reste dans le paysage. C'est-à-dire, ça n'a pas été une cible comme ça a pu être effectivement en Irak ou en Syrie. Mais bon, ça je. Oui. Non, je vous posais la question parce que par exemple en Syrie, je donne que cet exemple. Tout le monde a entendu parler de Saint-Siméon, ces grandes basiliques de Syrie du Nord, à la mémoire du stylite qui a vécu sur sa colonne je ne sais combien de dizaines d'années. Eh bien, le nom officiel de Saint-Siméon, alors qu'il ne s'agit que d'église, c'est pas du tout église, c'est le château de Simon. C'est-à-dire qu'il y a dans la dénomination des lieux une dépossession constante. Nous, on dit le krach des chevaliers, et les chevaliers, ça renvoie aux croisés, bien entendu. Mais pour en Syrie, le nom officiel du krach des chevaliers, pas le krach des chevaliers, c'est le château des Kurdes. Eh oui. Ou la citadelle imprenable, ce qui est tout à fait encore autre chose. C'est-à-dire que le choix des noms est orienté de telle manière à se réapproprier quelque chose, ce qui n'est pas maladroit pour autant, mais de se le rapproprier, se le réapproprier dans une perspective idéologique bien particulière, qui est celle, alors là, c'est une très grande différence avec ce que disait Jacques Bouineau pour l'Égypte, dans une perspective de montrer que ça a été arabe depuis toujours, et que c'est le travail des Arabes. C'est comme ça que le général Tlass trouve des Arabes à Palmyre au Xe siècle avant Jésus-Christ, à une époque où on ne sait rien de Palmyre, où on n'a aucun texte, aucune image, aucun vestige. Donc c'est quand même un petit peu difficile de dire que c'était peuplé par des Arabes, mais peu importe. Donc si vous voulez, la réappropriation de l'histoire, elle se fait au prix d'une manipulation en même temps de l'histoire. Pas nécessairement, je vais dire. Oui, alors justement, mais mettons en évidence, je crois, je vous redonne tout de suite la parole, ce qui nous importe beaucoup, et là-dessus, on en a parlé évidemment, on a préparé un petit peu avant, vous savez,
c'est que ce qui est très frappant, c'est la différence qui existe entre les différents pays du Proche-Orient. Vu de Paris ou de Sirius, parfois, chacun pense que tout ça, c'est tout le Proche-Orient compliqué auquel on comprend rien. Non, c'est des pays qui sont très différents les uns des autres, où il y a des traditions différentes, des cultures différentes. Bien sûr, ils parlent l'arabe, ils ne parlent pas tout à fait le même arabe. Je vous assure, quand moi je vais en Égypte, le peu d'arabe que je connais, je ne me fais pas toujours comprendre. Hein, et réciproquement peut-être en Syrie. Donc, il faut prendre conscience, je vous rends la parole. Oui, je voulais dire pas nécessairement dans la même manière. Alors, je vous ai parlé de l'Irak et de cette fierté nationale, mais bien sûr, ça touche que les gens éduqués, parce que bah, malheureusement, une grande partie ont échappé en partie à cette éducation, et bah, pour eux, les sites leur parlent beaucoup moins et ont pris moins d'importance à leurs yeux. Je voulais faire une petite distinction avec le Kurdistan irakien, parce que le Kurdistan irakien, c'est une région qui a été pas du tout fouillée pendant tout le XXe siècle. C'était très difficile d'accès, donc il n'y a pas eu beaucoup de fouilles archéologiques. Mais à partir du moment où bah, l'Irak était inaccessible depuis la guerre du Golfe en 91, les missions archéologiques étrangères ont commencé à chercher d'autres terrains d'études et sont remontés vers le nord, vers le Kurdistan irakien. Et curieusement, c'est cette région qui a été la plus sécurisée à partir de l'année 2000. Et donc, on a une profusion de fouilles archéologiques menées par des étrangers et des Kurdes eux-mêmes dans le Kurdistan irakien. Et donc, on est en train de redécouvrir cette région dont on ne connaissait pas le passé. Et donc, les Kurdes, en ce moment, sont en train de se reconstituer leur propre histoire. Ils n'en avaient pas vraiment. Ils dépendaient du dictateur irakien. Et c'est assez curieux comme façon de faire, parce que ceux qui sont un petit peu éduqués, eh bien, rejettent tout ce qui aurait pu être imposé autrefois par Saddam Hussein. Donc Saddam Hussein, il a voulu imposer les civilisations assyriennes et babyloniennes. Donc les Kurdes du Kurdistan irakien, eh bien, ils évitent complètement de parler des Babyloniens, des Assyriens, mais ils sont passionnés par les Rourites, qui étaient des peuples du Nord et qui avaient leur propre langue, par les Perses, qui sont venus un petit peu plus tard, par les Sumériens, qui étaient les premiers là. Et donc, ils sont en train de se réapproprier cette histoire-là, mais avec un angle de vue un peu biaisé, puisqu'ils essayent d'éviter quand même tout ce qui rappelle le dictateur irakien. Et alors, même les gens des villages sont extrêmement intéressés par ce phénomène de réappropriation de l'histoire. J'ai des collègues allemands qui ont fouillé dans le Kurdistan un nouveau site entre 2010 et 2012. Ils se sont aperçus, puisque grâce à des inscriptions cunéiformes, que le nom ancien de ce site, c'était la ville de Idou, donc il y a quelques millénaires. Et bien, dans le village voisin, les nouveaux-nés se sont appelés Idou. Donc c'est une façon aussi de se réapproprier son histoire. C'est une façon sympathique, en tout cas plus sympathique que de tordre le cou à la réalité historique pour se la réapproprier. Mais ce qui est intéressant, vous l'avez bien montré, c'est que les Kurdes ont compris au moins une chose, ils le savent sans doute depuis longtemps, c'est qu'on crée une nation, car c'est bien là l'objectif final, en se créant et en se reconstituant un passé. Et cette attitude des Kurdes est très, très, enfin pas étonnante du tout, mais je veux dire, elle est très sympathique aussi en même temps. Et vous imaginez avec quel enthousiasme ils ont accepté l'ouverture d'une antenne de l'Institut français du Proche-Orient à Erbil, il y a quelques années. D'abord parce que le Kurdistan est le seul endroit où on puisse travailler aujourd'hui, pratiquement, de tout le monde. Enfin, avec la Jordanie, bien entendu, mais la Syrie, l'Irak sont fermés pour les chercheurs. Et la Turquie, alors la Turquie du Sud-Est, elle est impossible, quasiment. La Turquie devient très difficile. Mais vous voyez à quel point les attitudes donc, peuvent être différentes. Il y a des constantes, les politiques d'une manière générale. Et du moment où on a besoin de l'histoire pour faire de la politique, on lui tord le bras, quoi qu'il arrive, pour lui faire dire ce qu'on veut. Ça, c'est une constante. La deuxième chose que je retiens, c'est l'ambiguïté des situations. À la fois, c'est « je t'aime, moi non plus », dans le cas syrien, par exemple, Palmyre, c'est la vitrine du régime, mais c'est en même temps l'affirmation constante dans les manuels scolaires que la période romaine, c'est vraiment la période la pire de l'histoire de la Syrie, la plus sombre, la plus noire. Et quand vous entendez le ministre de la Défense dire ça et que vous avez sous les yeux la grande colonnade de Palmyre, vous dites quand même que le sombre a du bon parfois. Donc vous voyez qu'il y a cette attitude vraiment ambiguë, mais ça nous fait sourire, mais je crois que ce qui est important, c'est d'essayer de comprendre pourquoi ce discours. Alors, on va peut-être avancer un petit peu. Dans
depuis plusieurs années, nous avons tous été frappés, évidemment, par les destructions. Alors, l'Égypte y a échappé parce qu'il n'y a pas eu de guerre civile. L'Irak, on sait combien l'Irak a souffert, même si aujourd'hui, les journalistes sont obnubilés par Palmyre, ne parlent que Palmyre. Et plus on en parle, plus les risques sont grands de l'avoir détruite. Mais Ninive, Nimroud, Hatra, c'est en Irak, le musée de Mossoul, le musée des Anglais, comme disait Daesh, ce qui en dit long sur la perception qu'on a de la préservation du patrimoine, ont souffert terriblement. Et en Syrie, je ne dis rien parce que vous savez tout sur Palmyre, mais dites-vous bien que c'est tous les sites de Syrie affamés, 14 000 trous de fouilles, Doura, Europos, Marie, ravagés, pillés. Car il n'y a pas que les destructions qu'on voit, il y a les pillages souterrains. C'est pareil pour tous les sites du sud de l'Irak. Bien entendu, et la sud de l'Irak. Et puis les ravages qui ont été causés avant, les Américains à Babylone. Et... Alors, je voudrais revenir encore avant, parce que en Irak, en fait, tout ce qui est patrimoine archéologique était extrêmement bien protégé de 1958 à 1991, parce qu'il y avait une répression extrêmement forte, et donc il n'y avait absolument pas de marché d'antiquité. Mais en fait, c'est l'embargo des Nations Unies qui a été consécutif à la guerre du Golfe, qui a apporté les premiers pillages, mais à très très vaste échelle, parce que tout simplement, les paysans crevaient la faim, et que s'ils trouvaient une tablette cunéiforme ou un objet dans leur jardin ou dans les champs à côté, bah, ils allaient en creuser un peu plus pour pouvoir nourrir leur famille. Donc on ne peut même pas leur en vouloir. Mais après, ça s'est organisé. Et après, ce sont des commanditaires européens, américains ou japonais qui ont mené ça à très, très vaste échelle. Et ça s'est vraiment répandu, donc bien en amont, des ravages faits par Daesh. En Syrie, les pillages actuels sont dus en partie à ce que vous venez de dire, c'est-à-dire le besoin de survivre. À Apamé, quand le salaire moyen des gens a diminué dans la proportion de 1 à 10, ou de 10 à 1 plutôt, c'est-à-dire que de 600 euros par mois, vous passez à 60 euros pour survivre, alors que les prix ont été multipliés entre 4 et 10, eh ben, il faut vivre. Donc, mais alors, à la différence de ce que vous venez de dire pour l'Irak, la protection des antiquités était très faible et le pillage organisé à grande échelle par le régime. Tout membre du parti, du Baas, de l'armée, des services secrets pouvait faire ce qu'il voulait. Là, je pourrais vous en donner des tas d'exemples, mais ce n'est pas le lieu. Pour avancer un petit peu, j'aimerais qu'on s'interroge pour savoir que faire. Que faire maintenant ? Bien sûr, on est impuissant avec nos petits points, on ne va pas faire grand-chose. Mais je crois que ça vaut la peine tout de même de réfléchir comment sortir de cette manipulation de l'histoire, comment aider les peuples du Proche-Orient et de Libye, d'Égypte, de se réapproprier leur histoire, mais de se la réapproprier de façon consciente et, j'allais dire, non identitaire, c'est-à-dire de se réapproprier leur histoire parce que c'est leur histoire et pas tout simplement pour dire ah mais nous on n'est pas arabes, on est égyptiens, nous au contraire on n'est que des arabes et on n'est rien d'autre et tout ce qui est avant c'est pas notre histoire, c'est-à-dire les aider à se réapproprier toute leur histoire y compris les faces sombres. Je dirais de la même façon qu'on n'a pas choisi nos parents, nos ancêtres. Et il y a sûrement des voyous dans nos ancêtres, chez vous comme chez moi, hein, je vous rassure. Là-dessus, on est bien d'accord. On ne les a pas choisis, c'est quand même nos ancêtres. Eh bien, notre histoire, c'est pareil. Il y a des phases qui nous plaisent peut-être pas, mais c'est quand même notre histoire. Comment on peut les aider ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Quelles sont les pistes à suivre ? D'abord, pour les aider aujourd'hui concrètement. Je ne parle pas de l'aspect simplement humanitaire. Et je voudrais quand même juste rappeler que mes collègues m'ont bien redit aussi que si on parle ici du patrimoine, ne croyez pas qu'on place le patrimoine avant les humains. Le souci des gens nous obsède les uns et les autres. Mais si on ne veut pas passer notre temps à pleurer, on peut aussi parfois parler d'autres choses, parce que je crois que le patrimoine, c'est aussi important que le pain, même si dans l'urgence, c'est plutôt le pain et les médicaments qui sont utiles. Mais donc, il y a des priorités, nous en sommes bien conscients. Mais tout ça pour dire, comment on peut aujourd'hui préparer l'avenir ? Parce qu'il y a un avenir, forcément, il y a un avenir. Et donc, comment aider ?
par le biais d'une association, des associations, et mes deux voisins là vont en parler, par le biais peut-être de la formation, de l'aide. Comment faire? Les associations, par exemple, aujourd'hui, Cécile Michel. Alors, moi, je préside l'Association internationale des assyriologues, the International Association for Assyriology, et je suis membre du bureau de l'association Shirin pour le patrimoine culturel de la Syrie. Et il existe le parallèle, l'association Rachid pour le patrimoine culturel de l'Irak. Alors, au niveau de ces associations-là, mais d'abord, il y a une grande part de travail qui est d'informer. Informer non seulement les gens sur place, mais aussi informer nos dirigeants, informer les populations même chez nous en Europe. Et deuxièmement, faire un bilan, un inventaire des dégâts, faire un recensement général des sites, des monuments, des objets archéologiques, faire un inventaire des dégâts. Et puis, il y a encore beaucoup de gens sur place, il y a encore des conservateurs, il y a encore des universitaires qui sont restés en Irak, qui sont restés en Syrie, qui se démènent pour essayer justement de sauver ce qui peut être sauvé. Donc, leur venir en aide, organiser des formations pour les conservateurs, pour les archéologues. On a des chantiers écoles en Turquie qui accueillent des archéologues syriens. On a aussi beaucoup de travail à faire au niveau des antiquaires, parce qu'en fait, il faut faire prendre conscience, non seulement aux antiquaires qui le savent très bien, mais plus largement dans la population, que quand on achète une antiquité, eh bien, on est complice. On est complice des vendeurs, on est complice de Daesh, on est complice de ces gens-là. Donc on a une grande partie d'information à essayer de faire de ce côté-là, et aussi on a essayé de commencer à réfléchir avec les antiquaires pour qu'ils rédigent une charte éthique qui serait signée par un maximum d'antiquaires, pardon, pour essayer justement d'aller au-delà. Et puis, il y a la formation dans les camps de réfugiés, la formation des populations sur place. Quand on est archéologue et qu'on a un chantier de fouilles, alors ce n'est pas vraiment mon cas, moi je travaille plutôt en Turquie en ce moment, mais on travaille avec il y a des travailleurs, des ouvriers qui viennent des villages voisins. Donc déjà leur faire des mini-conférences, leur expliquer à quoi ça sert, aller dans les villages et expliquer aux gens en quoi c'est important de mener ces travaux. Ça sensibilise la population qui, après, en cas d'attaque, peuvent s'interposer. Et c'est arrivé dans des cas en Irak que des villageois se sont interposés contre les gens qui venaient faire des destructions. Donc ça, c'est un certain nombre de choses qu'on peut faire. Puis après, on peut réfléchir à agir chez nous. Et je laisse la parole à mon voisin. Alors écoutez, agir, moi je vais vous parler de deux choses, antiquité à venir puisque je suis là pour ça principalement, et une autre expérience à laquelle je participe qui est l'école doctorale des juristes méditerranéens. Il y a un chapeau commun aux deux. Qu'est-ce que nous cherchons dans antiquité à venir? Ce que nous cherchons, c'est l'intelligence cordiale, c'est-à-dire mettre en valeur ce qu'il y a de plus beau en chacun de nous, cette dimension humaine de sagesse que nous portons et que les anciens nous ont apprise. Justement, tout a été dit depuis les Grecs et les Romains. Nous ne faisons que répéter. Nous sommes nés trop tard dans un monde trop vieux. Ce n'est pas de moi. Ça a été dit il y a fort longtemps et c'est de plus en plus vrai. Donc je crois qu'il est très important de former l'homme. Nous sommes aujourd'hui dans une société, alors je vais vous parler en juriste, évidemment, c'est mon approche. Nous sommes dans une société d'homo consumaturus. L'homme n'est plus qu'un bipède qui paye avec sa carte bleue ou autrement. Il y a une perte totale d'identité de ce qu'est l'être humain. Cette identité, il est urgentissime de la reconstituer. Je crois qu'il faut à la fois refaire la république des lettres pour les savants et ceux qui ont eu la chance d'avoir le plus d'éducation, et à la fois la république des hommes pour ceux qui sont des hommes, et c'est une richesse infinie. C'est-à-dire qu'il faut parler avec intelligence, avec ouverture, avec nuance. Cela, les anciens nous l'ont appris, et c'est cela, ce flambeau-là, qu'il est urgent que nous offrions. Et quand je fais cours, je donne à mes étudiants cette culture, je passe mon temps à leur dire que je suis heureux et fier de leur offrir cette culture qui m'a été transmise, et moi je ne suis qu'un jalon, bien sûr. Donc je crois qu'il y a ce très grand effort à la fois pédagogique et humain à faire. L'Antiquité peut nous servir à ce niveau-là. Il y a aussi, toujours dans cette approche-là, une réflexion à mener sur les structures. On n'en a pas encore parlé. Le grand problème du monde arabe, et c'est le monde arabe
ça dépasse l'islam. C'est vrai que l'islam appesantit le phénomène, mais c'est un problème du monde arabe. Le grand problème du monde arabe, c'est que l'autorité politique est vécue comme une réalité personnelle. Vous savez, pour certains d'entre vous, mais je vais vous faire un petit cours de lexicographie rapide, qu'en arabe, pour dire l'État, on dit Daoula. Vous connaissez tous un État, Daoula el-Islamiyya fi Balad al-Sham, hein, Daesh. Ça veut dire l'État islamique dans le pays de Sham. Voilà ce que ça veut dire, l'acronyme de Daesh. C'est-à-dire qu'on traduit État par Daoula. Et chez nous, quand on veut traduire État pour expliquer à des étudiants, on traduit par Respublica. Quelle est la différence entre les deux? La différence, elle est très simple. Et toutes les conférences que l'on me demande de faire en Égypte, je les fais principalement sur ce thème-là. C'est que dans l'idée de Respublica, vous avez l'idée d'une immanence de quelque chose d'éternel. L'État ne meurt jamais. L'État est éternel. Et celui qui occupe le pouvoir n'est qu'un locataire éphémère, quel que soit son titre au demeurant. Et surtout, la Respublica, comme son nom l'indique, ça n'est pas une res privata. Ça n'est pas sa chose. Il n'est pas propriétaire de l'État. Il en est le gestionnaire d'affaires, tout au mieux. Dans le terme daoula, et j'ai cherché dans mon dictionnaire d'arabe avant de venir, parce que je répète tout le temps à tout le monde que c'est pas la même chose, mais j'avais pas l'explication précise, et je l'ai dit à Cécile à l'instant, elle est tout à fait intéressante. Si vous prenez un dictionnaire d'arabe, moi c'est le dictionnaire Larousse hein, que j'ai tout simplement, daoula, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire dynastie, état, nation, pouvoir, puissance. On peut traduire par tout ça. Quelle est la racine? C'est dala. La racine d'Allah, qu'est-ce que c'est? C'est alterner, changer. C'est un verbe. C'est-à-dire que chez nous, Respublica, il y a une notion immarcescible derrière. Hein, ça ne bouge jamais. Et dans Daoula, vous avez précisément ce changement. Ce sont les successions d'hommes. Et le pouvoir est véhiculé dans le monde arabe, et plus précisément dans les pays musulmans, comme une réalité personnel. Et quand Monsieur Moubarak parlait à la télévision, moi quand j'étais au Caire, il ne parlait pas en tant que Raïs, en tant que président, il parlait en tant que père des Égyptiens. Et ce sont des titres qu'on trouve dans l'Orient ancien, ça, évidemment. C'est une très vieille culture qui n'est pas arabe, qui est orientale, qui est très lointaine en Orient. Mais d'abord, je crois qu'il faut qu'on ait conscience de cela, et Antiquité à venir va travailler aussi là-dessus, c'est-à-dire essayer de faire prendre conscience qu'il y a un bien commun. Ce bien commun, il est commun aux deux rives, parce que eux, comme nous, ont hérité du droit romain, ils ont hérité, j'ai quelques exemples, si on a le temps, j'y reviendrai, qui sont très intéressants, ils ont hérité du droit romain, ils pourraient avoir hérité, parce que justement, ils ne le revendiquent pas encore aujourd'hui, de quelque chose qui va devenir le grand enjeu de demain, c'est l'eau. L'eau va devenir dans toutes ces régions, dans une génération, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et donc, on est en train, j'entends à France Culture régulièrement, qui est une radio que j'aime beaucoup, que j'écoute régulièrement, donc loin de moi l'idée de la critiquer, mais on entend régulièrement, il faudrait réfléchir à une approche générale de la définition de l'eau. Mais il suffit d'ouvrir Justinien, c'est tout. En droit romain, qu'est-ce qu'on a? L'eau. L'eau, en tant que courant, est insusceptible d'appropriation. On ne peut pas. C'est un bien commun. Alors que le lit du fleuve, les berges, évidemment, elles sont l'objet de la propriété des riverains. Et ça peut, ils peuvent intervenir, mais pas sur l'eau. Si on met en avant cette idée extrêmement moderne, puisqu'elle se trouve dans le code de Justinien, que l'eau est un bien commun, c'est un bien de l'humanité, eh bien, on a une base juridique pour agir. Et là, la rive sud et la rive nord peuvent s'entendre. C'est leur bien commun. À tous. Alors ça, c'est ma première grande action, c'est celle que je mène au sein d'Antiquité à venir. Puis une deuxième, et je serai très bref, mais qui est intéressante, et d'autant plus que ce n'est pas moi qui suis à l'initiative, pas plus que d'Antiquité à venir du reste, mais cette autre initiative, c'est l'école doctorale des juristes méditerranéens. C'est quelque chose qui a été créé il y a 9 ans par un de mes collègues qui est professeur de droit public à Montpellier et à Aix, pardon, et de droit européen à Bruges, au Collège européen, et qui a eu l'idée de faire des sessions annuelles
d'une petite semaine dans lesquelles se rencontrent des professeurs de droit et des étudiants qui font des thèses. Et nous avons, depuis 9 ans, eu 7 réunions, si ma mémoire est bonne, Aix-en-Provence, Tunis, Tlemcen, Rabat, Barcelone. On a failli aller à Beyrouth et puis les problèmes sont tels qu'on n'a pas pu le faire en définitive. Qu'est-ce qu'on fait? On apprend à ces jeunes, alors on se met tous en randonnion, les professeurs, sans se substituer à leurs directeurs de thèse locaux, bien évidemment. On se met en randonnion et on les fait parler de leur thèse. Et on a eu, avant la guerre, c'est ce que je disais à mes collègues tout à l'heure, on avait des Syriens. Et c'était extraordinaire de voir ces gamins qui, au bout de 3 jours, comprenaient qu'ils pouvaient sourire et comprenaient qu'ils pouvaient dire « Non, je ne suis pas d'accord ». Et c'est ça qu'on leur apprend. Ce qu'on leur apprend, c'est la liberté. La liberté, la dignité, le sérieux. C'est-à-dire que nous sommes des savants, oui, nous sommes des scientifiques. Ce que nous attendons d'un travail de thèse, c'est le plus haut niveau académique, et il n'est pas question de transiger là-dessus. Mais à l'intérieur de cela, il y a la part d'humain, il y a la part d'imaginaire, il y a la part de sensibilité que tout homme doit pouvoir mettre. Et je vous assure que nous avons des résultats extraordinaires entre ceux qui, alors il n'y en a plus de Syriens, mais ceux qui viennent du Liban, on a beaucoup de Libanais, ceux qui viennent d'Algérie qui sont très corsetés, eux aussi, ceux qui viennent du Maroc et de Tunisie qui essaient de rester libres, et surtout les femmes qui sont admirables, qui font un travail absolument extraordinaire, et puis nous qui venons du Nord, qui venons de Grèce, d'Italie, d'Espagne et de France, cet échange est extrêmement fructueux. Et quoi faire? Quoi faire? Se connaître, se rencontrer, se regarder. Merci. Vous avez prononcé 2 mots qui m'ont beaucoup touché. Liberté, dignité, c'était le slogan des premières manifestations à Dera. On l'a compris, la dictature n'est pas porteuse d'avenir et sûrement pas porteuse d'esprit critique. Or, faire de l'histoire, c'est d'abord avoir de l'esprit critique. C'est en effet de ne pas craindre de parler pour la liberté, pour la dignité, mais de parler tout simplement et de pouvoir dire « non, je ne suis pas d'accord ». On peut avoir tort de ne pas être d'accord, mais en tout cas, on peut le dire. Le propre de tous ces pays, d'une manière ou d'une autre, c'est justement d'avoir vécu corseté, enfermé dans un système totalitaire et parfois totalitaire et d'une brutalité inouïe. La Syrie, c'est le cas depuis 50 ans. Ça marque évidemment les esprits. Aujourd'hui, finalement, on a la chance de pouvoir aider un certain nombre de jeunes, ne serait-ce que tous ceux qui sont réfugiés. Il y a, je ne sais pas si c'est le cas encore des Libyens, mais vous allez nous le dire, bien sûr, vous le savez, il y a beaucoup de Syriens réfugiés, il y a probablement des Irakiens qui ont fui aussi leur pays, il y a des Kurdes, je le sais. C'est moins vrai, évidemment, pour les Égyptiens qui ne sont pas du tout dans la même situation tragique, mais eux doivent affronter sur place un régime qui reste un régime quand même très largement autoritaire. Est-ce que ça peut être une chance, finalement, que nous, par la formation qu'on peut leur donner, par l'accès aussi à plus de langues, car ça, c'est un autre problème, c'est peut-être un petit problème, mais moi, 50 ans de fréquentation de la Syrie, j'ai vu le niveau des langues, de l'apprentissage, pas simplement du français, le français a reculé, comme partout, mais de façon catastrophique, mais maîtrisait pas davantage l'anglais. Donc, ne pas avoir accès à la science qui se fait aujourd'hui, c'était un handicap. Alors, si vous ajoutez de ne pas avoir accès aux langues et de ne pas avoir accès à la parole libre, ben, vous ne faites plus d'histoire, on fait de la propagande. Est-ce qu'en Libye, le problème se pose et comment vous voyez ça? En fait, en Libye, on essaie de mener deux actions. La première action, c'est finalement, ce sont dans le cadre de formation d'universitaires. Donc, j'ai des étudiants inscrits en master, des étudiants inscrits en doctorat. Et c'est vrai que pour moi, ça a toujours été le nom de la rose. Enfin, le nom de la rose, même depuis que 94, j'ai commencé à mettre le pied dans
finalement ce monde arabe. Alors finalement le monde arabe, c'est un seul mot alors qu'il y a tellement de diversité. Et c'est vrai que moi je me suis aperçu lorsque je suis arrivé innocemment le 10 octobre 94 à Jérusalem, je me suis dit, oh, enfin voilà, les arabes, les juifs, les protestants, les catholiques, les... Enfin, c'était fabuleux. Puis, on s'aperçoit qu'en fait les arabes de Naplouse détestent ceux de Jérusalem, qui détestent Bethléem, qui... Alors, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça, tout ce que auquel je m'attachais, parce que par simplicité et par simplisme surtout, eh bien tout ça s'écroule. Alors, tout ça pour vous dire que le nom de la rose, c'est quoi ? C'est que ce sont des gens qui, mes étudiants, enfin les étudiants en général, sont des bons connaisseurs. Ils sont natifs de telle région, ils ont des ruches, ils ont des troupeaux, ils connaissent vraiment bien leur région, ils connaissent les pierres les unes au-dessus des autres, les unes à côté des autres, enfin, ils connaissent bien tout ça. Puis, dès qu'on leur demande de passer d'un état de descriptif à un état d'analyse, là, on ne peut plus, là, on n'a plus rien. Et le nom de la rose, parce que le nom de la rose, vous vous souvenez, c'est le rire. On ne peut pas rire, parce que si on commence à rire, on peut rire de Dieu. Bon, et ben là aussi, c'est la même chose, mais d'un point de vue scientifique. Si on commence à mettre en doute tel grand professeur, tel grand historien, tel grand géographe, c'est-à-dire on leur enlève toute certitude. Et donc, ça, on ne peut pas faire. Et donc, l'idée, c'est, d'un point de vue universitaire, c'est de former en disant, voilà, la critique est positive. On ne remet pas en doute, on questionne. Vous voyez, on joue avec les mots. Peut-être que c'était en fonction d'un état de leur découverte, un état de leur cheminement intellectuel. Voilà, on relativise, en fait, et on les aide en leur disant, voilà, on s'inscrit. C'est pour ça que ton travail, toi, consiste à d'abord, avant de réfléchir, à établir un état des connaissances. Et puis après, voilà, à partir de là, tu vas pouvoir rebondir et apporter quelque chose de neuf. Donc ça, c'est un point de vue universitaire. Mais on peut comprendre que c'est un peu compliqué. La deuxième chose, c'est parce qu'on forme des universitaires, mais j'ai envie de dire, en Libye, ceux qui ont les mains dans le cambouis, ce n'est pas les universitaires, ce sont les gens du département des Antiquités. Et eux, ils ont quand même beaucoup de travail. Et c'est vrai que là, maintenant, j'ai envie de dire que mes étudiants, ils sont bien, ils sont en France, ils ont leur bourse, parfois même bien, même plusieurs bourses par individu. Bon, c'est la bizarrerie de la Libye. Et l'autre côté, c'est des gens qui ont les mains dans le cambouis et qui me disent, ben voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et je m'ouvrais ça à notre juriste de cette tablée, c'est que la Libye a ratifié finalement les plus grands traités, l'AE54, 70, etc., etc. Le problème, ce n'est pas dans la législation, c'est dans l'application de la législation. Et souvent, on me dit, mais moi, quand je dis à quelqu'un, ben, voilà, tu n'as pas le droit de construire ta maison ici, les gens me répondent en sortant un pistolet ou un fusil. Et donc, ben, moi, pauvre contrôleur ou pauvre inspecteur des antiquités, je n'ai aucune prise. Je leur dis, mais oui, bien sûr, enfin, surtout pas aller. Voilà, enfin, on n'est pas là pour mourir en martyr, même si malheureusement, en Syrie, beaucoup sont morts en martyr. Au nom justement de l'histoire, de cette histoire patrimoniale. Et donc, du coup, on a réfléchi ensemble. Et ce qui a déjà été prononcé, c'est le mot inventaire, c'est le mot corpus. Et aussi, ce que je leur demande, et ce qu'on essaie de développer, ce sont des observatoires, et également, ce qu'on est assez fier en France, c'est ce qu'on appelle l'archéologie préventive. Tu ne peux pas empêcher un tel de construire sa maison dans la nécropole de Cyrène. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un de construire une boutique à côté du temple de Zeus. Mais par contre, ce que tu peux peut-être faire, c'est avant ou pendant les travaux, eh bien, être là, prendre des photos, peut-être tirer des plans, en leur disant, bien sûr, ok, je ne peux pas t'empêcher, mais au moins laisse-moi approcher ce matériel. Et alors, c'est ce que c'est en train de faire. Et c'est vrai que maintenant, à Benghazi, pourtant Benghazi, c'est pas non plus, c'est pas Neuilly-sur-Seine ou autre, c'est pas un long fleuve tranquille. Il n'empêche que il n'y a pas un cas de travaux publics ou même de travaux privés qui ne fasse pas l'objet de ces petits rapports. Ils se sont organisés justement dans le cadre d'observatoires, de veille. Et donc, ils veillent. Alors, c'est petit, c'est trois fois rien. Mais à travers, en fait, cette action très concrète, eh bien, ils vont s'en servir pour sensibiliser aussi les écoles. Voilà ce que vous risquez de trouver. Et ça, ça appartient à votre histoire. C'est-à-dire que ce n'est pas les grands monuments, parce que les monuments, bah, ça ne se plie pas, ça se détruit, mais ça ne se plie pas. Par contre, ce qui se plie, c'est finalement c'est les petites statuettes, c'est les petites monnaies. Et leur dire, voilà, ça, c'est un bien inestimable. Tu n'as pas idée, parce que ça appartient à toi, à ta famille. Et là, c'est vrai que cette prise de conscience fait que, ah ben voilà, en fait, c'est moi, c'est ma vie, c'est mon histoire. Et c'est vrai qu'il y a un gros travail, et c'est vrai qu'avec les conseils régionaux, même français, et puis l'INRAP, qui ont développé ce qu'on appelle les valises archéologiques, enfin, pédagogiques, voilà, merci, eh bien, on essaie de faire la même chose, vous voyez, en Libye. Et donc, pas de grands projets,
hein, mais vraiment des actions très ciblées d'archéologie préventive, de formation, de sensibilisation. Là, l'UNESCO a fait aussi un très beau travail, a demandé, voilà, prenez en photo votre patrimoine. Moi, je suis étonné. Enfin, des gens incroyables prennent en photo, je sais pas moi, une margelle de puits antique, trois pierres, une inscription. Enfin, voilà, il y a une réappropriation et on est obligé d'être intelligent pour développer ces outils qui ne sont pas des outils traditionnels. Parce qu'encore une fois, on ne peut pas aller en Libye. Et je terminerai par là, c'est que du coup, moi, enfin, je suis très optimiste par nature, mais là, je le suis encore plus, parce que comme on ne peut pas les aider en allant sur le terrain, c'est qu'un archéologue, s'il ne va pas sur le terrain, c'est un peu une gageure. Enfin, bref. Donc du coup, on les fait venir ou on essaie de les former à distance. Et je me dis, mais en fait, c'est assez extraordinaire, c'est que ce temps qui est d'un drame absolu d'un point de vue humain est en fait une chance pour le patrimoine. Parce qu'en fait, ils sont enfin chez eux. Et c'est vrai, cette prise de conscience fait que, c'est vrai après tout, ça fait un siècle qu'on les colonise, ça fait donc, nous, mission étrangère, et la France a sa part de responsabilité, 40 ans, voire un peu plus, de colonisation italienne, pareil pour Kadhafi, mais là, ils sont entre eux. Et j'ai envie de dire, c'est une chance, parce que c'est un temps où ils ne restent pas à attendre, en disant, bah, profitons-en, puis bah, peut-être que demain, ça, Inch'Allah, hein, Inch'Allah Boukramalesh, hein, comme on dit, bah, IBM, vous voyez, bon, ça changera mieux. Mais non, là, ils sont véritablement en train de se réapproprier avec bah, les moyens du bord. Et ces moyens ne sont pas si anodins et si minimes qu'ils puissent paraître. Ce que vous venez de dire me touche beaucoup parce que j'ai vécu en Syrie des expériences un peu semblables juste avant la guerre, et je sais que ça continue pendant la guerre, parce que je suis resté en contact avec un certain nombre de gens, et je crois que c'est là l'essentiel, c'est-à-dire une réappropriation à la base, ce qui finalement tranche entre l'appropriation par un peuple de son histoire et la politique des dictateurs, soyons clairs, on a affaire partout à des dictateurs, c'est qu'eux ne font que dans le grandiose. Et ce n'est pas dans le grandiose qu'on se sent concerné. Mais ce que vous venez de dire me paraît extrêmement intéressant parce que je connais en Syrie plusieurs petites associations qui, pareil, je me souviens d'une association à Souaïda, de gens qui organisaient tous les vendredis une promenade justement pour aller voir dans ces villages que moi je parcours depuis 40 ans, mais où je suis bien le seul à les parcourir et à photographier tout ce qui se trouve, les inscriptions, les chapiteaux, tout ce que vous voudrez, les gens me regardant comme une bête curieuse, à peu près d'ailleurs, honnêtement, un bédouin qui se promènerait dans les villages du Loir-et-Cher, hein, ça ferait le même effet. Bon, et il serait peut-être moins bien accueilli que moi je ne l'étais dans les villages, j'en mettrais facilement ma main au feu. Mais, eh bien, cela avait pris l'habitude tous les vendredis d'aller visiter et on est rentré en contact et parfois ils trouvaient des choses, des inscriptions que j'avais pas vues, donc on les échange, on les voit. Donc c'est ces petites associations qu'il faut encourager. Et la guerre a précipité le mouvement. Ce sont des Syriens qui ont sauvé les manuscrits de la mosquée des Omeyyades d'Alep. C'est des Syriens qui ont démonté pas à pas le minbar de la mosquée. Ce sont des Syriens, des gens du CRU qui ont essayé de protéger le musée des mosaïques de Baharet en Noman, ça leur a valu de recevoir les barils de TNT de Bachar el-Assad sur le musée et sur le village, bien entendu. Ce sont aussi des gens du CRU qui ont essayé de protéger le théâtre de Bosra, ce qui a valu les mêmes barils de TNT sur le théâtre de Bosra. Donc, mais je crois que, je ne dirais pas que la guerre est une chance, non, sûrement pas, même pas pour le patrimoine, mais je crois que c'est une occasion de prendre conscience, et on a déjà vu ce phénomène, moi je l'avais observé au Liban à la suite de la guerre civile libanaise, où le pays était dans un état abominable, Beyrouth, n'en parlons pas, et c'est à ce moment-là qu'ils ont pris conscience qu'il y avait un patrimoine qu'ils ne voyaient pas, qu'ils ne voyaient plus, et je dirais qu'ils ne voulaient pas voir, par exemple tout l'héritage ottoman, ou l'héritage du mandat, il y a une architecture du mandat qui est formidable, architecture coloniale, on est bien d'accord, mais c'est une architecture, c'est une vraie architecture qui ressemble à autre chose qu'un cube de béton. Et c'est après la guerre que tout d'un coup, Beyrouth a rénové ses vieux quartiers, a sauvé. On a fait aussi beaucoup d'erreurs, mais qui n'en a pas fait? Et quand en Europe, on a dû reconstruire à la va-vite après la guerre, et dans quel état était l'Europe en 1945? Il y avait un certain nombre de villes qui valent pas mieux qu'Alep aujourd'hui, qui ne valaient pas mieux qu'Alep aujourd'hui. Donc, je crois que cette prise de conscience à la base, il faut que nous arrivions à
à l'aider, à l'encourager, mais comment ? Et comment faire, par exemple, pour... on disait tout à l'heure, il manque de livres, cruellement, par exemple. Parce que les dictateurs, ça n'aime pas les livres. Hein. Donc, par exemple, on ne traduit rien. On ne traduit pas des livres subversifs, comme ceux des savants occidentaux, qui donnent une mauvaise histoire. Donc, que faire ? Alors, moi, j'ai un exemple, mais d'abord, je voulais rebondir. Effectivement, il y avait aussi beaucoup d'Irakiens qui ont essayé de sauver... des destructions, des minarets, etc. Et puis, il y a le cas de ce père dominicain, le père Najib, qui a sauvé 8000 manuscrits de la bibliothèque de Mossoul avant que Daesh n'arrive à Mossoul. Et ce qu'il a fait, c'est encore plus remarquable parce qu'il les a emmenés dans le Kurdistan. Et là, il s'est adressé aux enfants des camps de réfugiés pour que ces enfants viennent l'aider à numériser ces manuscrits. Donc, en plus, il a formé dans les camps de réfugiés les enfants irakiens réfugiés. Alors, effectivement, il manque de livres, il manque de tout. Moi, je suis en contact avec le professeur qui était le doyen même de l'université de Mossoul, qui est un assyriologue réputé, et qui a essayé de rester le plus longtemps possible sur place, malgré tout ce qui arrivait. Donc, en 2003, l'université de Mossoul était extrêmement bien achalandée. Il y avait 300 ordinateurs, très, très récents, avec une numérisation des tablettes cunéiformes qui avaient été trouvées dans les musées. Ils avaient tout ça sur leurs ordinateurs. Ils avaient une bibliothèque savante absolument importante. Et en 2003, l'université a été bombardée, rasée, et donc ils ont perdu tous leurs livres. Donc, nous, on s'est mobilisés dans notre université. On a été voir tous les éditeurs et on a fait une collecte de livres. En 7 ans, on avait récupéré 100 tonnes de livres scientifiques qu'on a fait envoyer en Irak dans 5 centres universitaires, dont Mossoul. Et ce cher collègue qui a fait des allers-retours en Occident aux périodes les pires, il est actuellement réfugié dans un motel à Erbil. Ses enfants et petits-enfants sont à Mossoul. Il attend la libération de la ville et il m'a expliqué, eh bien, tous les livres que vous aviez envoyés, Daesh les a brûlés, on n'a plus rien à nouveau à l'université. Donc, il faut recommencer. On recommence à réunir, alors maintenant sous format électronique ou autre, tout ce qu'on peut pour faire parvenir et remonter effectivement des bibliothèques. J'insiste, ce professeur a essayé de maintenir la culture et de continuer à faire le cours à ses étudiants dans sa cave pendant toutes ces années, dans les années 2000. Et pendant toutes ces années, il s'est aussi attelé à un travail absolument phénoménal qui est un travail de fabriquer un dictionnaire acadien-arabe parce qu'il n'avait pas de manuel d'usage pour les assyriologues là-bas pour traduire les tablettes. Il n'y avait pas de dictionnaire acadien-arabe. Donc, toutes ces dernières années, c'est le travail qu'il a fait. Merci pour ces précisions. Je voudrais qu'on avance un petit peu avant de donner la parole au public parce que je pense qu'il peut y avoir des questions aussi. On a beaucoup parlé de ce qu'on pouvait faire, de ce qu'on essayerait de faire, en tout cas en direction du Proche-Orient. Mais nous, est-ce que dans le fond, dans notre enseignement à l'égard de nos enfants, de nos jeunes, on n'a pas aussi quelque chose à faire pour les sensibiliser à ce qui est aussi leur histoire ? Parce que, encore une fois, l'histoire tout autour de la Méditerranée, c'est une histoire partagée. Qu'on le veuille ou non, même dans les pires périodes, je vais prendre le cas extrême d'une période coloniale où une partie domine l'autre, quoi qu'il arrive, c'est quand même l'histoire d'une colonisation, c'est l'histoire d'un colon et d'un colonisé. Et l'histoire, les deux histoires sont inséparables. On ne peut pas les écrire séparément l'une de l'autre, quoi qu'il arrive. Donc, comment faire pour qu'on arrive à cette histoire partagée, que nos jeunes connaissent mieux cette partie de leur histoire, qui est aussi l'histoire des autres. Est-ce qu'on n'a pas quelque chose à faire là-dessus ? Alors, si, énormément de travail. Et ça, c'est effectivement une des actions qu'on entreprend dans le cadre de l'Association internationale des assyriologues. C'est effectivement intervenir chez nous. Parce qu'on peut effectivement intervenir au Proche-Orient. Mais il faut aussi les empêcher chez nous, leur faire comprendre effectivement les bases communes de notre histoire et puis les faire comprendre que s'embrigader quand ils deviennent ados parce que c'est attractif, etc., c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Donc moi, ça fait des années que j'organise une école de scrime et j'explique aux enfants dans les écoles et souvent dans les écoles en zone d'éducation prioritaire parce qu'il y a de la demande, il y a beaucoup d'enseignants qui sont extrêmement demandeurs. Donc j'organise des écoles de scrime, c'est-à-dire je sensibilise les jeunes. Ça va de début de l'école primaire jusqu'à la fin du lycée, j'ai toutes les classes.
Et effectivement, je leur apprends ben, pourquoi, comment on a eu l'idée d'inventer l'écriture, d'où vient l'écriture, comment nous, on a aussi hérité de cette écriture-là d'une façon ou d'une autre. Et surtout, ce qui est intéressant dans ces cas-là, c'est de les confronter. Donc, dans ces écoles où les gamins sont mélangés, où en fait, il y a beaucoup de gamins à la maison, ils ne parlent pas du tout français. Les parents, ils parlent avec leurs parents n'importe quelle autre langue d'Afrique du Nord, de Proche-Orient, etc. Eh bien, ces gamins-là, ils sont valorisés dans ces écoles de scribes parce que je leur demande aux enfants de se mettre dans la même situation que les petits Acadiens, quand ils sont arrivés en Mésopotamie, ont dû emprunter l'écriture des Sumériens qui n'était pas tout à fait adaptée à leur langue. Alors moi, dans les écoles de scribes, les jeunes doivent essayer d'écrire phonétiquement leur prénom sur une tablette d'argile avec un syllabaire qui n'est pas du tout adapté à leur langue, qui est un syllabaire sémitique à la base. Donc les petits Français, quand on veut écrire avec un syllabaire sémitique françoise, on s'arrache les cheveux. C'est très, très difficile. Mais par contre, Fatima, Mohamed, tout ça, c'est très, très facile. Donc tous ces petits étrangers, ils arrivent beaucoup plus vite que les petits Français de chez nous à un résultat. Ils sont très, très contents parce qu'évidemment, j'arrive à lire tout de suite leur tablette, pendant que les petits Français se disent ben, finalement, quand on est étranger, c'est vraiment pas facile. Alors après, on passe à la partie calcul, mathématiques, et puis je leur fais travailler en base 60, parce que, ben oui, les Babyloniens et Mésopotamiens travaillaient en base 60. Alors, ils me regardent avec des billes, et puis je leur dis, ben, si c'est très facile, faites-moi une table de multiplication par 15 en base 60. Alors, je gratte les cheveux, puis je leur dis, ben, écoutez, regardez votre montre. 4 fois 15, 4 fois un quart d'heure, ça fait quoi? Ben, ça fait 1, voilà. Alors là, ils découvrent un monde. Parce qu'on leur apprend à l'école que le cercle se divise en 360 degrés, etc. Mais ils ne savent pas pourquoi. On ne leur explique jamais. Voilà des expériences concrètes. Dans le fond, oui, on devrait, par exemple, dans une classe, obliger tous les enfants à leur apprendre à écrire leur nom en arabe. Moi, je peux vous dire que le mien, ça pose des problèmes. Et quand on les relit en sens inverse, j'ai entendu toutes les formes de noms possibles et imaginables. Mais ce n'est pas évident. Et alors, je voudrais insister que les enfants, ils sont passionnés. Quel que soit leur niveau d'éducation, ils ne mouffent pas. Et il paraît que j'ai des classes difficiles. Je n'ai jamais eu une classe difficile dans ces cas-là. Mais je crois que c'est important. C'est aussi une manière de partager la culture des autres et de comprendre que la culture, elle est une. C'est pour ça que les discours sur les identités culturelles hérissent les historiens, parce qu'il n'y a rien de plus bête. Bon, je ferme ma parenthèse. Mais la culture, c'est la culture, comme l'histoire, c'est la culture, et c'est une culture que nous partageons, d'où des facettes différentes. Moi, je n'ai pas la même culture que ma voisine et que mon voisin, probablement. Mais bon, on a des tas de choses à partager. J'espère qu'on vous l'a montré, en tout cas ici. Est-ce que vous voulez rajouter un mot chacun ou est-ce qu'on passe là-bas la parole à... Allez-y. Oui, peut-être un mot pour rebondir sur ce que vous venez de dire tous les deux. Ce regard apporté à la culture de l'autre. Il est très important, je crois, de connaître, nous, effectivement, la culture d'en face. Quand on est sur la rive nord de la Méditerranée, le bloc du sud, c'est tous des Arabes. C'est-à-dire, c'est tous des musulmans, et c'est tout pareil, c'est-à-dire des crapules. Et en fait, on s'aperçoit que, ben d'abord, il y a des Arabes chrétiens, et que d'abord, qu'ensuite, dans les musulmans, il y a des quantités d'obédience. Alors ça, beaucoup de gens le savent. Puis il y a des choses qu'on ne sait pas, parce que moi, je l'ai vu avec mes étudiants, et ça m'a conduit à repenser entièrement mon cours d'histoire des idées politiques. Je leur parlais régulièrement de l'islam, mais très vite. Et je me suis rendu compte que personne ne sait, évidemment, en Occident, qu'il y a eu, dans l'histoire de l'islam, au IXe siècle, il y a eu une période de rationalisme dans laquelle on vous apprenait à remettre en cause le texte coranique. Et où on disait, mais si tu ne comprends pas une contradiction entre deux sourates, tu prends la plus simple. Et si tu ne comprends pas, tu laisses tomber. Et si tu ne comprends pas ce que Dieu te dit, eh ben, tu ne crois pas en Dieu. Tu es libre de ne pas croire. Libre de ne pas croire en Dieu. On est au 9e siècle de notre calendrier, en islam. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ce courant-là, si ça vous intéresse, ça s'appelle le moutazilisme. Ça a été la philosophie politique majoritaire de l'Empire abbasside à cette période. Et puis à la fin du IXe siècle, on a un courant réactionnaire emmené par un bonhomme qui s'appelle l'Ash'ari, qui crée donc un courant qu'on appelle l'Ash'arisme en français, et qui fait prévaloir la notion de tradition
tradition réinventée d'un Coran mythifié. On est, Mahomet est mort en 632, on est dans les années 925, on est à peu près 3 siècles après. Et on mythifie un Coran des origines qui n'a jamais existé, on raconte n'importe quoi. Et on dit surtout, il est très important que tu te soumettes à la loi de Dieu. Et les premiers à être victimes de ce taqlid, puisque c'est comme ça que ça s'appelle en arabe, hein, c'est ce respect de la tradition, les premiers à en être victimes, ce sont les musulmans. Et aujourd'hui, seuls quelques musulmans très cultivés connaissent cette histoire. Et c'est cela qu'il est important de valoriser pour nous, pour eux avant tout, parce qu'ils sont en première ligne, bien avant nous, hein, évidemment. Et donc montrer qu'on a cette possibilité-là d'écoute, et par quel truchement, au sens de l'époque moderne, de l'époque du XVIIe, je veux dire, est-ce que j'emploie le mot truchement ? Quel interprète va-t-on utiliser pour accéder à ce dialogue ? Eh bien, moi, je vous suggère, ça fait 25 ans que je me bats pour ça, la francophonie. La francophonie, pourquoi ? Pour une raison très simple. D'abord parce que on dit tellement de sottises aujourd'hui sur les références à la culture française, et certaines familles politiques m'exaspèrent vraiment avec leurs références stupides qui sont dignes des acharites pour le coup. Donc il est très important d'abord de reprendre cet héritage. Vous savez que si nous sommes attaqués par Daesh, principalement, si la France est attaquée par Daesh, c'est parce que la France représente la liberté et la laïcité. Et que ce que l'on veut détruire, ce que Daesh veut détruire par priorité, c'est la culture française. Parce que c'est une culture qu'ils ne tolèrent pas. Parce que dans le communautarisme anglo-saxon, ils peuvent toujours s'y retrouver. Je ne dis pas que les anglo-saxons encouragent Daesh. Hein, surtout, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Mais il est très important de défendre cette francophonie mondiale qui nous attend. Parce que quand on travaille dans le secteur de la francophonie, et on a des institutions magnifiques, hein, l'Agence universelle de la francophonie, enfin universitaire plutôt de la francophonie, ou l'Organisation internationale de la francophonie, ce sont des instruments magnifiques. Mais il faut s'engager, avoir la fierté de le faire, ne pas se dire qu'on va coloniser quoi que ce soit. Les Américains l'ont déjà fait, donc on ne va pas coloniser quoi que ce soit. Et quand on travaille à l'intérieur de la francophonie, la première démarche que l'on fait, c'est de regarder l'autre. Moi, quand j'ai vécu en Égypte, la première chose que j'ai faite, j'ai appris l'arabe. Et ça, c'est une démarche de francophone. Un anglophone, il va vivre en Égypte, il parlera anglais. Et il attendra que tout le monde parle anglais. Je crois que c'est très important de le dire. Je crois qu'il fallait le dire, effectivement. Bien, je ne veux pas vous brimer ni les uns ni les autres, mais je pense qu'il est temps de passer, parce qu'il nous reste peu de temps, la parole à la salle s'il y a des questions, avant de passer au remerciement d'usage. Est-ce qu'il y a... Vous voulez qu'on vous donne un micro, peut-être ? Est-ce qu'on les a un petit peu monopolisés ici ? Mais enfin, c'était normal aussi. Alors, il y a une question là-haut, et puis, il m'a semblé, quelqu'un vers la droite aussi, après. Je peux parler ? Là ? Oui. Voilà. Moi, je voudrais savoir comment s'écrit actuellement l'Antiquité partagée. On n'a pas évoqué Israël et la Palestine. Comment elle s'écrit actuellement ? Qui s'en occupe ? Puisque, bon, j'ai lu plusieurs articles depuis plusieurs années où, en général, quand on perce un trou là-bas, tout le monde se précipite. Quand je dis tout le monde, c'est ou les Palestiniens ou les Israéliens, pour définir dans le trou quelle est la couche historique qui permet de dire que ici, il y avait ça, c'était des Juifs et avant, c'était... Voilà. Donc, je veux savoir comment ça se passe actuellement. Enfin, si je suppose que, quand même, vous êtes au courant, même si vous êtes très spécialisé par pays. Qui écrit cette antiquité partagée et comment ça se fait actuellement en Israël et en Palestine ? Alors, il y a eu un très très bon livre qui a été fait il y a quelques années et qui a mis en face à face, en quelque sorte, des archéologues palestiniens et des archéologues israéliens. Je dirais ceux qui écrivent, je vous recommande, j'ai oublié malheureusement le nom de l'auteur du livre, sinon je vous le donnerais parce que c'était un livre tout à fait passionnant. Je crois que ceux qui aujourd'hui écrivent l'histoire partagée, c'est ceux qui d'abord ne s'emparent pas de l'archéologie pour faire de la propagande, c'est-à-dire soit une sorte de panarabisme qui serait défendu par les Palestiniens, ou un sionisme rampant montrant qu'il y a des Juifs depuis toujours jusque-là, jusqu'à aujourd'hui. Exemple d'utilisation politique de l'archéologie sur le Golan syrien occupé par Israël, il y a eu des expéditions archéologiques
en violation des conventions internationales. Je le dis tout de suite, puisqu'on n'a pas le droit, quand on occupe une région, de faire des fouilles. Bon, ils l'ont fait puisqu'ils ont annexé, ils ont trouvé le moyen. Et tous les bâtiments non identifiés sont devenus des synagogues. Donc comme ça, on dit, il y a des juifs sur le Golan depuis l'Antiquité, donc c'est bien à nous. Cette histoire partagée, je crois qu'elle est écrite, parce qu'il y a beaucoup de savants israéliens et palestiniens qui sont de vrais savants, par des gens qui justement prennent du recul par rapport à l'idéologie officielle et qui ne cherchent pas nécessairement à défendre, à utiliser leur découverte en quelque sorte à des fins purement politiques. Il faut savoir qu'au sein du corps universitaire israélien, les gens sont très partagés. Il y a eu des débats qui ont eu des échos jusqu'en Europe, mais Cécile le sait peut-être mieux que moi encore, par exemple, toute l'époque de David et de Salomon, dont l'existence même de David et de Salomon ont été remises en cause. Pas trop David, mais beaucoup Salomon. C'est surtout Salomon qui pose problème. Il n'y a plus beaucoup d'historiens qui croyaient à l'existence de Salomon. Donc, vous voyez, c'est difficile. De toute façon, c'est difficile d'écrire une histoire partagée tant que pèse une idéologie dominante. Mais peut-être que Cécile veut rajouter quelque chose. Peut-être une chose. C'est vrai qu'il y a comme une remise en question de tout ça, grâce aussi aux Israéliens laïcs, et notamment Israël Finkelstein. Parce que quand même, son livre qu'on a traduit par la Bible dévoilée a quand même été brandi par Yasser Arafat en disant, voilà, vous voyez, hein, la terre appartient à tout le monde. Et c'est vrai qu'avec ses écrits, donc ce grand archéologue qui est quand même très basé sur le site de Megiddo, a dit, mais en fait, on dit souvent que pour faire court, que les Arabes et les Juifs sont cousins. Et lui, il dit pas du tout. Ils sont pas du tout cousins. Ils sont frères. Ce sont les mêmes. Et donc, c'est vrai que, en fait, la remise en cause et donc l'écriture d'une histoire partagée, c'est une histoire qui serait totalement déconnectée de la Bible. Enfin, faut le dire aussi. Où la Bible est une source. Et moi, c'est vrai que là, j'ai lancé une première campagne, parce que comme en Libye, c'est un peu difficile, et comme j'aime bien les pays chauds, enfin, dans tous les sens du terme, j'ai monté une campagne de fouilles à Hébron. Donc j'étais au mois d'avril, sur le chêne de Mambré. Et donc c'est le deuxième site important d'Hébron, puisque vous avez la grotte de Marpella, et puis ça. Eh ben, c'est vrai que enfin, l'idée, c'est quand même de ne pas fouiller avec la Bible d'un côté et puis la truelle de l'autre, hein, comme on faisait d'autres gens avant nous. C'est-à-dire que cette Bible, enfin, cette archéologie biblique qui nous empoisonne, parce qu'en fait, on a la réponse dans une main. Or, nous, scientifiques, c'est avant tout se poser des questions et être très prudent par rapport à la réponse. C'est en l'état de connaissance. On ne se défile pas, hein, mais on est prudent. Enfin, on est tous là pour... Voilà. Donc cette écriture partagée, c'est une écriture où en fait, le musée d'Israël arrêtera d'édulcorer et de mettre de côté systématiquement certains mots qui touchent l'autre. Alors ça, on a commencé, ça, qu'il y a eu un colloque il y a quelques années qui titrait « Est-ce qu'il est encore important de prouver qui était là le premier ?» C'est intéressant, vous voyez, hein, où on s'aperçoit que ils étaient là. Ils n'étaient pas cousins, mais ils sont frères. Juste un petit mot complémentaire. En fait, effectivement, cette orientation biblique de l'archéologie a été jusqu'à créer des faux pour faire confirmer des faits qui étaient attestés dans la Bible. Et donc, c'est allé très, très, très loin. Mais heureusement, on a de plus en plus de savants israéliens laïcs, effectivement, qui ont une vision beaucoup plus moderne et scientifique de la chose. Et c'est valable aussi pour les palestiniens. Hein. Mais cela dit, ils ont beaucoup de difficultés parfois avec un gouvernement israélien qui est de plus en plus à droite, pour ne pas dire à l'extrême, extrême droite. Mais de la même manière, si vous voulez, par exemple en Syrie, moi je pense qu'écrire une histoire partagée, c'est que moi je travaille dans la Syrie du Sud, j'ai trouvé beaucoup de traces de l'occupation hérodienne, eh bien c'est de pouvoir le dire. Or je ne peux pas le publier en Syrie. Je l'ai publié quand même, je l'ai écrit, j'ai fait des articles là-dessus. Ne pas se soumettre à l'autorité politique. Je crois que c'est d'abord ça, écrire une histoire partagée. Je dirais pas une histoire vraie, parce qu'il n'y a pas de vérité, mais une histoire qui colle au plus près de ce qu'on trouve réellement. Et on voit aujourd'hui que des choses, et Vincent l'évoquait tout à l'heure de façon indirecte, font scandale quand on dit... les gens d'aujourd'hui sont arabes, avant ils ont été chrétiens, avant ils ont été juifs.
je renvoie à une phrase de Ben Gourion qui ferait scandale si on l'écrivait aujourd'hui en Israël, sauf évidemment chez les laïcs. Ben Gourion disait, en fait, les vrais descendants des Juifs de l'Antiquité, c'est les Palestiniens. Allez défendre ça aujourd'hui. C'est ce que rappelait Shlomo. Mais voyez les réactions en Israël au livre de Shlomo Sand. Et en Israël et ailleurs. Moi, j'ai fait un compte-rendu favorable du livre de Shlomo Sand. Je ne vous dis pas combien il y a de sites sur Internet qui me traitent d'antisémites. Voilà. Bon, ben, c'est comme ça. Mais j'en assume le risque. Comme à Damas, on ne veut pas traduire certains livres en arabe parce que je parle des Juifs. Je me dis que je dois être au bon milieu, quoi. C'est pas grave. Et il y avait d'autres questions, peut-être ? S'il n'y a pas d'autres questions, il me reste à remercier les participants à cette table ronde et à remercier le public pour sa patience, puisqu'on a débordé, non pas encore, je vous libère 2 minutes avant. Merci beaucoup à vous.